et vous asseoir. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes arrivés presque au sommet de notre temps de carême. Je précise, nous sommes presque au sommet du temps de carême. Mais qu'est-ce que cela veut dire, être au sommet du temps de carême? Je ne peux pas le faire, on ne peut pas dire une classe sur le carême avec nous, côté que nous allons poser des petites questions, mais nous allons quand même ensemble essayer d'évaluer notre cheminement de carême. Comme m'a été dit hier, et je reprends quelque chose que j'avais dit déjà depuis le premier jour de carême. Le carême est un cheminement avec le Seigneur. M'a dit, c'est un cheminement avec bon Dieu, un cheminement avec ton Dieu, un cheminement avec celui-là qui te fait signe. Et qu'est-ce qui nous est donné comme expérience de carême? Qui ça a offert nous pendant tant carême? Pendant le temps de carême, le chrétien est invité à se surpasser dans sa pratique de vie, dans la relation avec lui-même, dans la relation avec bon Dieu, dans la relation avec l'autre. De ce fait, je suis capable de poser tête-moi une question pour me dire tête-moi, depuis le mercredi des cendres, le jour où Dieu, par la bouche de son Fils, t'a invité à me grandir dans une relation d'intimité profonde avec l'IA, qui peut témoigner là-dedans aujourd'hui? Déchirez vos vêtements, dit l'Écriture. Retournez vite joindre mon Dieu. Et depuis ce jour, bon Dieu t'a parlé avec moi de l'intérieur. Il t'a questionné, il t'a invité à entrer dans moi-même et poser tête moi question sous Jean moi doué comporter avec lui dans relation avec elle, dans Jean m'a vivre avec moi-même, dans Jean m'a vivre avec environnement moi. Ainsi, on nous dit que le temps de carême nous invite à aller vers l'autre. Aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi un temps de pardon accordé par Dieu lui-même. Bon Dieu qui vient entrer dans les tailles nous, qui prend faiblesse et péché et qui propose nous sa tendresse d'âme de père ou encore son pardon et sa miséricorde. Est-ce que j'ai été attentif à cela? Est-ce que j'en ai fait l'expérience? Est-ce que je profitais de ça? On ne sait pas. Mais si je me regarde de l'intérieur, est-ce que je suis capable de dire, moi, j'ai grandi avec le Seigneur pendant ce temps de grâce? Si le carême est un temps de grâce, tous nous avons été d'abord touchés, bénéficiaire même de cette grâce accordée par Dieu. Me fait expérience avec lui, même genre avec le peuple Israël. Me fait expérience de réconciliation, bon Dieu lui-même vient offrir avec lui. Dans le premier mot de la Bible là, que nous attendons là, prophète Ézéchiel a adressé avec un peuple qui était trouvé dans une situation côté que bon Dieu, lui-même qui s'est mettre là, te prend décision pour que ramener peuple là à la conversion. Mais tout fait peuple là comprendre que lui c'est bon Dieu pour tout temps, bon Dieu qui baille la vie. Je vais prendre les fils d'Israël parmi les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai partout et les ramènerai sur leur terre.
combien ce Dieu est bon. Il est tendre, plein d'amour pour le peuple qu'il a choisi. C'est ça qui fait que m'a dit au frère Msem, tant que j'en t'ai dit, prends courage dans vos souffrances et douleurs. Prends courage dans misère nous, parce que le Dieu que vous adorez en esprit et en vérité, il est fidèle. Li c'est amour, li pap kito pou kor, ou pap abandonné. L'ap vini pou le prendre par la main, pou le sauver ou pou le délivrer ou, sou rete ferme et confiant dans son intimité avec lui. Tant pris, toujours compter dans toutes circonstances sous bon Dieu. Dans l'évangile nous sommes proclamés, nous avons réalisé que raison pour laquelle le Fils de l'homme est venu, il est arrivé dans le bout de lui. On est capable de dire qu'on y a, il prend corps, il est effectif. Si nous t'attendons depuis plusieurs jours, avant hier, dans l'évangile là, Jésus dit que nous refusons d'accepter que moi-même, moi, ces petits bon Dieu m'a dit nous, avant que Moïse était là, pas Moïse, avant Abraham fut moi-même, moi là. Ce qui veut dire, Jésus s'est révélé en tant que non seulement fils de Dieu, mais le Dieu de tendresse et de miséricorde. C'est ça qui était peut-être bouleversé Juifio, qui dit, tête, mais écoutez, ça l'a dit comme ça. Grand-grand-parent, Abraham, ça fait longtemps qu'elle mourit. Et monsieur Sakampé pour lui dire que l'épi grand qu'Abraham, c'est ça qui pral révolter Negyo, qui pral faire Negyo camper qu'on y a dit, faut qu'il mourit. Et c'est ça tout, hier, nous t'es dans l'évangile là. Pour raison qui fait que vous acceptez de tuer là, c'est tout simplement parce que l'idée, lui c'est bon Dieu, lui c'est petit bon Dieu. Et Jésus, de répondre, lui dit, Negyo, mais écoutez, la parole de Dieu vous dit que lorsque vous croyez en Dieu, vous êtes comme des dieux. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit depuis la création, au commencement du monde. Dieu a créé l'homme un peu moindre comme lui, il les a créés à sa ressemblance et à son image. Ce qui veut dire, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes pas Dieu, mais nous sommes comme Dieu. Et nous sommes des filles et fils de Dieu. Qui ça qui problème? Qui ça qui mal? Pour Jésus dit que je suis le fils de Dieu. Et d'ailleurs, dans la tradition juive, quand vous êtes roi, vous avez été roi pour une mission spéciale, vous êtes consacré comme fils de Dieu. David portait le nom de fils de Dieu. C'est pas pour sans raison Jésus s'appelait fils de l'homme. Mais il dit que lui a blasphémé et faut que tu aies. Et Caïphe ce matin a prophétisé dans le nom de Jésus pour lui dire que il faut que youn mourit pour tout le monde. Et si là qui a mouri, c'est si là qui était sorti dans bon Dieu. Et ça fait nous comprendre que tout et tout ça bon Dieu t'a dit au sujet petit monde, c'est ça qui réalisé et c'est ça qui pral réaliser. Sœur mieux, frère mieux, pas gain plus passer ça, pas gain mieux passer ça. Lorsque nous acceptons, croyons que si là qui baille la ville pour nous, il baille une fois pour toutes, et c'est ce qui délivre. Maintenant, je dis, qui ça ou même avec moi, n'a privé fait pour nous sortir, et accepter que la délivrance a été faite, et est faite pour que nous-mêmes nous croyons que même si le moment est difficile, rien. Pas capable d'empêcher que libération, la vie que bon Dieu vient de nous, li bloquer ce chemin. Sœur mieux, frère mieux, en nous tournant tête nous dans la direction bon Dieu. En ce samedi de carême, en nous dit bon Dieu, nous accepter croire et d'accepter délivrance que le poté pour nous. En nous dit tout, nous prêts pour nous collaborer avec bon Dieu pour propre délivrance, pas nous. Délivrance côté n'a vive là, délivrance tout le monde. Juste un petit, parenthèse pour me finir. Est-ce qu'on connaît? Bon Dieu fait toute bagaille pour bien ou déjà, et ou même, qui ça ouvre les faits? Pour ça, bon Dieu fait yo.
y arriver effectif dans la vie. On me quitte au méditer pendant journée hein, après ce temps de carême. Côté que mon Dieu t'a invité au faire route avec lui. Dites tout, est-ce que vous t'es arrivé cheminer avec lui? Ou du moins, est-ce que même gens avec juifs auraient été orgueilleux ou pas accepter ni accueillir, ni comprendre et ni vivre et profiter ça te permettre ou vivre avec lui pendant tant ça? C'est pour bon Dieu par l'entremise maman Marie. Si là qui t'a dit oui et qui c'est modèle monde qui croit tout bon en bon Dieu cap la prière pour nous pour l'aider pour nous faire la paix avec bon Dieu, avec nous-mêmes et avec l'autre. Amen.